Revenons maintenant sur le salon de la lingerie qui a fermé ses portes hier à Paris. On y a fêté les 100 ans du soutien-gorge. Le marché du sous-vêtement est florissant. Revue de détail des dernières tendances avec Sabine Gorny et Olivier Palomino. D'ordinaire, elles dansent un peu plus dévêtues. Mais aujourd'hui, les danseuses du Crazy jouent les ambassadrices d'une marque de lingerie. Chaud devant, car désormais les dessous se montrent sans complexe. Avec des couleurs vives, fini le pastel ou la traditionnelle dentelle. Vive les découpes coquines et les savons-jeux de bretelles. C'est pour oser, pour les femmes, pour montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Rayon lingerie, il y a les audacieuses mais aussi les tricheuses, avec un secret, un nouvel artifice pour avoir l'air musclé et s'éviter la corvée des abdos fessiers. C'est un produit technique en fait qui va vous galber les fesses, mais qui va en fait galber vos fesses naturelles, qui va légèrement les remonter, qui va vous faire une jolie cambrure. Côté tendance, bonjour la nostalgie. On revisite à l'envi l'esprit rétro, comme ici les années folles. Rousse incendiaire, jolie garçonne, lingerie chic, chocolat, ivoire, noir et blanc, un total raffinement. Alors les petites touches des années 20, par exemple, dans ce produit-là, ça va se retrouver au travers de la géométrie du dessin, la sobriété également, le petit clin d'œil strass, parce qu'il y avait toute cette idée de tenue du soir, on sortait beaucoup, les femmes sortaient, c'est la première période où elles pouvaient sortir même seules. Pour les formes, tout est permis. Coque, coussinée, balconnée, l'important c'est de pigeonner, comme dans les années 50, avec cette guêpière fidèlement réinterprétée. Alors pas question de cacher sous ses habits une aussi jolie pièce de corsetterie. On est dans une inspiration un petit peu rétro, mais qui est très tendance. Un boudoir revisité, mais très structuré, retravaillé avec les codes de la mode d'aujourd'hui. Achat plaisir, achat désir. La Française consacre 99 euros par an à l'achat de sous-vêtements. 5 fois plus que vous les hommes, un peu avares en dessous et presque gênés de vous montrer. Au salon, on a même dû vous enfermer pour vous laisser admirer. Le temps de déchiffrer certains messages codés. Décidément, l'homme est une femme comme les autres.